Voici l'effort de guerre de la diaspora Timbing, un village situé dans l'arrondissement de Chang, dans le groupement Photo. Effort conjugué des filles et fils du village qui s'inscrit dans la lutte contre le coronavirus. La cérémonie de remise des dons s'est tenue ce dimanche 26 avril 2020 à l'esplanade de la chefferie du village. La population est très émue, ils remercient tellement la diaspora qui a pensé à leur maman. Remercie la diaspora, n'est-ce pas, pour la sensibilisation. Ils ont remercié, les mamans ont remercié et remercié également les dieux de pourvoir encore leurs poches pour que demain, ils continuent de soutenir, pas seulement pendant la pandémie, si, mais pour d'autres événements. Parents et enfants se sont mobilisés dans le strict respect des mesures de distanciation et de port strict de masques afin de recevoir et de magnifier la générosité de la diaspora. Il s'agit d'un important stock de produits de première nécessité constitué de 23 cartons de savon, 25 tines d'huile, 600 cachenets et 10 sacs de riz. Il faut ajouter à cela l'engagement de la diaspora à prendre en charge les factures d'eau pendant toute la période que va durer la pandémie. Une générosité qui a connu un accueil favorable auprès des autorités traditionnelles. C'est un geste qui nous va droit au cœur. Ça va vraiment peut-être sauver beaucoup de mamans qui, de temps en temps, aller au marché chercher l'argent pour ceci ou cela. Quand il y a déjà le riz et l'huile, le savon, elles se marchent et puis elles seront peut-être protégées. Je pourrais chercher le compte déjà. Mais il n'y a pas de faute, il n'y a pas de matin. Il n'y a pas de faute, il n'y a pas de faute. Il n'y a pas de faute, il n'y a pas de faute. Il n'y a pas de faute, il n'y a pas de faute. Le village Timbing peut désormais se confiner sans inquiétude, dans la mesure où elle est rassurée de ce que, de près ou de loin, ses enfants pensent et se soucient de son bien-être.